Je suis super content, aujourd'hui je vais te présenter mon premier vrai drone, le Xiaomi 4K. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je vais te présenter un super drone, le Xiaomi 4K. Regarde-moi cette belle petite bête qui est juste ici. Et juste avant, j'avais une petite anecdote à te raconter. Ça fait environ 2 semaines que j'ai ce drone. Et malheureusement, je l'ai mal programmé la dernière fois et il est tombé à une quarantaine de mètres. Et en fait, si on regarde bien, au niveau de certaines hélices, ça a complètement explosé. Mais par contre, vous allez voir juste après au niveau du test s'il fonctionne bien. Parce que je suis vraiment surpris au niveau de la qualité. C'est incroyable comparé à d'autres drones qui tombent à une 40 mètres de hauteur. Je pense que normalement, tous les drones sont morts, sauf celui-ci qui a tenu. On verra juste après. Super drone a une caméra donc 4K avec un petit stabilisateur. Donc au niveau de l'image, ça sera vachement propre et super stable. Et sachant aussi qu'il y a une autonomie de 27 minutes, on va dire à 25 minutes, le temps de le programmer au début du décollage. Il a bien évidemment un support GPS. Sur cette belle petite bête, tu pourras planifier ton trajet, décollage automatique, atterrissage automatique depuis la télécommande. L'atterrissage automatique, il y a quelques mètres de décalage. Donc si tu le fais décoller à un endroit ou à quelques mètres, en fait, à une petite rivière ou un truc comme ça, je te déconseille de le faire pour pas avoir de petites surprises, mais c'est relativement bien, surtout si tu veux le refaire venir à l'endroit initial quoi. Au niveau du coffret, on retrouve le drone, un transmetteur, le stabilisateur bien évidemment avec la caméra, deux paires d'hélices, dont une paire d'hélices que j'ai explosé. Il y a les petites protections qui se mettent en dessous que je conseille, une batterie lipo, un ensemble de chargeurs, un câble USB, un connecteur sans fil ainsi qu'un manuel. Mais attention, c'est chinois, et sachant que l'alimentation n'est pas française mais anglais, donc attention à ne pas se faire avoir, avec aussi une batterie de 5100 mAh. Au niveau du prix du drone, il est à 430 €, donc je trouve que le prix est très raisonnable, surtout au niveau de la qualité, que ce soit vidéo, que ce soit même au niveau de la manipulation depuis sa télécommande. C'est super pratique, l'autonomie tient très bien. Après, c'est sûr qu'il n'est pas non plus très fluide quand tu le fais voler, dans le sens où il stabilise très bien mais qu'il va pas non plus aller super vite dans tous les angles. Voilà, c'est pas un drone de course, on l'a bien compris, c'est vraiment un drone pour faire de magnifiques prises de vue, et ce qui est le cas. Et comment elle est plutôt bien faite, il y a juste 2 boutons à l'avant, une pour allumer la manette en elle-même, l'autre c'est pour le décollage automatique. Après ici on va avoir la hauteur du drone, là c'est pour se balancer sur le côté, avec bien sûr aussi la possibilité, ce qui est un peu obligatoire, de brancher son smartphone sur la manette, sachant que juste en dessous on a un petit cache à enlever avec un port USB où il faudra connecter et faire un partage de connexion bien entendu de ton smartphone, de ta connexion sur la manette, et la manette sera connectée elle à ton drone. Bien évidemment il y aura besoin d'une connexion internet pour le GPS, pour localiser ton drone et pour avoir bien sûr la réception vidéo que va transmettre ton drone à ta manette. Malheureusement, je vais pas pouvoir tester le drone juste ici parce que je suis en plein centre-ville, donc c'est pas très légal, mais je vais l'utiliser à la campagne. Donc on se retrouve tout de suite pour tester ce nouveau bébé. Drone 4K Xiaomi, je suis super content. Le petit souci, c'est qu'il est tombé l'autre jour à une 50 mètres de hauteur. Donc là, je vais le tester. Et la dernière fois que je l'ai testé, il y a eu un petit souci, c'est qu'il volait à 100 mètres de hauteur et qu'il voulait plus redescendre. Donc j'ai dû sauter puisqu'il a redescendu à environ 2 mètres de hauteur, pour le rattraper manuellement, et en plus de ça l'éteindre manuellement. Enfin bref, c'était une grosse galère. Je l'ai attaché à la manette. Il faut de la 4G par contre. Normalement, on devrait en avoir ici. J'ai 4G avec 4 barres, donc c'est nickel. Je vais le brancher le smartphone donc à la manette, et puis je vais lancer le partage de connexion. Ok. Donc là il vole, ça va. Je vais tester un petit peu. Open eye. By the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight. Hold tight. Dripping lights paint the skies. All because of you. Dripping lights paint the skies. Only you. Le drone tient super bien, les petits soucis ça va être au niveau du manuel, il est en chinois
et le câble d'alimentation pour la batterie, elle n'est pas française. C'est-à-dire qu'il faudra avoir un câble en 8 à côté, mais ça vaut pas très cher, et surtout pour le prix du drone, vous allez voir, franchement c'est vachement rentable, surtout que sur eBay ou sur Amazon on l'a pour beaucoup plus cher, enfin pour une centaine d'euros de plus. Et franchement, je pense que ici, même si on n'a pas tout, que ce soit le manuel ou autre chose, c'est vachement intéressant. Et surtout, n'hésitez pas à me le demander dans la barre des commentaires si vous voulez que je vous réalise un tuto pour faire un décollage automatique et comment bien, on va dire, le programmer. Boum, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. Et surtout, dans pas très longtemps, je vais faire plein de tests avec ce drone là et peut-être avec d'autres drones que peut-être que je vais recevoir, donc ça va être super. Et tu sais quoi, continue à regarder mes vidéos parce que tu vas kiffer.